Salut les gens, c'est Tardarine, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Europa Universalis 4 avec la France. On se débrouillait plutôt pas trop mal. Et la dernière fois, on avait terminé une guerre contre le Portugal, contre l'Angleterre. On avait récupéré des territoires coloniaux pour créer nos propres colonies. Et on avait averti le pape qui avait quand même décidé d'attaquer Venise. Donc on va finir de défoncer le pape comme il se doit. J'espère qu'on va pas récupérer trop de provinces dans cette guerre et que Venise va en récupérer une partie pour elle. Ça m'arrangerait fortement. En tout cas, on va s'arranger pour que ce soit le cas. On contrôlera les terres pour les lui donner parce que nous on n'en veut pas, sinon on va se taper une coa de l'espace. Et ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Parce que pour l'instant, voilà, on a moins 31. Moins 18, j'aimerais bien éviter le plus possible les crises. Et une fois qu'on en aura fini avec cette guerre, on ira dire bonjour aux protestants. Il y avait une grande guerre que je voulais faire, et pour laquelle j'aurais bien aimé que la Bohème n'ait plus d'alliance, mais visiblement, ça va pas être possible. Donc quand on ira taper Munich, bah, on dira à notre ami la S de rejoindre et on ira taper la Bohème, hein. Comme ça on l'affaiblira, 47 000 hommes, pas de réserve. Il faut qu'on en profite. Surtout qu'en termes de forteresse, elle en a plus que 3, donc il y aurait moyen de lui faire très 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 mal. Peut-être même de relâcher un certain nombre de provinces. On va voir ça nous coûtera bien évidemment des points d'Iplo à tire-larigot. Mais bon, on commence à regagner des points. Notre impératrice est une 666, et ça c'est bon. Donc, il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de faire quelque chose. Allez, on est reparti. Là, on va aller sur cette forteresse. Ici, on va aller calmer les armées du pape. On va aller calmer toutes les armées qui sont dans le secteur d'ailleurs, hein, tant qu'à faire. Allez, vous, par ici. On va aller dans le sud, on va aller taper. Par ici. Non, par là. Allez, par là. Une carrière dans l'armée. Alors, 15 de tradition terrestre ou 2,5% de professionnalisme. 2,5% de professionnalisme. Parfait, on les a bien stackés, hop. Est-ce que je peux quand même en utiliser une petite partie pour les emmener là-bas? Je suis sûr qu'ils seront d'accord. Alors, c'était qui? C'était Ratisbonne. 10%, tac tac tac, on touche 50 balles, ok, très bien. Ça, on va le filer à Venise. C'est très rare hein, que je file les terres, mais là, je veux pas faire d'expansion agressive. Parfait, ça c'est vu, c'est fait. Alors, on va envoyer une troupette là, une troupette là. Toi, 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 on va filer ça à Naples. On sait jamais. Hop, on va consolider. Ah, il y a peu de chances qu'on arrive avant le passage du mois là, quand même. Vous avez appris que les états pontificaux. Ah, ils ont adopté la presse à imprimer. Saleté. Ah, on va pas pouvoir les faire des stack wipes, ça c'est pénible. Un ingénieur italien disponible. Alors, 40 points militaires, 836 balles. Défense d'effort. Oh là là. Défense d'effort, il coûterait 50% moins cher, mais toi je crois que tu coûtes 50% moins cher. Ouais. Hop, on décline l'offre. De toute façon, on regagne 1,20 de prestige par an. Voilà, parfait. On n'a pas récupéré Sienne, c'est très bien. Alors il nous reste qui? Il reste Mulhouse.
devrait pas être un gros problème. D'ailleurs, avec les 20 qui sont là, on va aller récupérer la dernière province de Mulhouse. Ça, ce sera réglé. Alors, alliance sur le point d'être rompue, dirigeant de la Ligue ennemie, attitude hostile envers France. Oui, bah oui, je me doute bien. Je me doute bien. Toi, tu m'aimes à plus 22 seulement parce qu'on est en guerre. Alors, on va filer ça aussi à Venise. Si je la retrouve. Là. C'est complètement stratégique. Hop, vous par ici. Alors, toi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, rompre une alliance? Je peux pas tant que je suis en guerre, ok. Un peu de pognon encore. Là, ça c'est réglé. Allons préparer les prochaines baffes qu'on va mettre. J'ai peut-être un peu dégraissé la guerre qu'on fera contre la S. Je vais faire une première guerre ici contre Landshut pour embarquer ensuite l'Autriche. Fin du siège d'Urbino. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Fin du siège de Rome. Oh là là, c'est un massacre. Fin du siège de Mulhouse. Alors avant de se faire avoir. Parce que sinon il serait foutu de nous refiler des terres dont on n'a pas envie. Voilà. Je veux à tout prix éviter les emmerdes. Vous, vous allez remonter aussi s'il vous plaît. Parfait. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Mulhouse? Ouais, peu importe. Tu vas aller par là. Toi, tu vas aller par ici. Le commandant nous a quittés. Hop, petite pause. On refile à Venise un paquet de trucs. Merci pour notre expansion agressive. Hop. Et vous, direction l'Autriche. Détection des espions étrangers plus 25, parfait. Alors, Estafortifico cède ça, il libère plein de trucs. Tatatan, 418 balles, parfait. Très bien. Ensuite, amélioration des relations plus 10%, je prends. Je vais purger la dette du pays du pape. Il va davantage me kiffer comme ça. Ok, ensuite, on va faire productivité plus 50. Ah, plus de pognon, toujours plus de pognon. Toi, rompre une alliance avec Ulm-Würzburg. Alors, voyons voir. Autriche, Saxe et Stettin. Merveilleux! Parfait, parfait, parfait.
Excellent, on va pouvoir convertir plein de gens. L'Autrichien, il sait ce qui va se passer, il le sait. Ok, c'est parfait. Déclarer la guerre. Seul contre tous, aucun problème. Donc, vous là, il y a une forteresse. Ok, bah toi tu y vas. Toi tu vas ici. Toi général 3 étoiles, tu vas là. Toi tu vas en support ici. On est bien. Ensuite, on est en guerre contre la Saxe et contre le machin qui est là-haut. On va attendre un petit peu, normalement on devrait avoir à tout moment de nouveau. Des soldes, enfin des traités qui vont nous permettre de passer. Toi, il faudrait que je révoque la garantie. Hop, parce qu'on n'est plus alliés. Voilà, 8 pour 5, c'est parfait. Ça nous permet de gagner encore plus de points diplomatiques qui vont nous permettre de faire encore plus de choses. Acceptation, croissance, dépôt de vin. Ah, quel enfer. Le pape, est-ce que je peux améliorer mes relations avec lui? Je vais essayer. Ouais, on peut gagner encore quelques petits points. Clèves est assiégée par la Saxe. Alors, une troupette ici. Ou alors on va d'abord faire le ménage là-bas? Ouais, on va peut-être d'abord aller faire le... Non, si, allez. Allez, on va tenter de faire du ménage là-haut. Ouh, général 3 étoiles là-bas? Carrément? Allez. Faisons du ménage. Augsbourg, ça peut se convertir, ça se convertit. Allez, droit sur la troupe ennemie. Ah, lui il veut s'enfuir. On va essayer de le choper au passage. Expansion de le Canada français. Ah bah oui, bien sûr. Malekith, ouais, vas-y, étends-toi. Bougez pas les gars. Hop là, maintenant vous pouvez bouger. Et bim. Allez, carrément, on va aller jusque là si on peut stack wiper. Merde, il aura repris du moral juste à temps. C'est quand même un stack wipe. Alors, l'armée autrichienne, elle a combien de milliers d'hommes? Elle en a 11 000. Donc, faut faire attention. Bim. Ça, c'est parfait. Alors, il nous en faut une là, une là. Et si tout se passe bien, extension du monopole. Alors, pause. Sur le vert, non, c'est évidemment hors de question pour ça. Hop, tu reviens. Et c'est évidemment hors de question pour ça. Tu reviens également. On devrait comme ça améliorer nos revenus. Bon, alors là, c'est pas visible, mais ça devrait le faire très prochainement. Parfait, une ici, toi tu vas vite aller péter la troupette qui est là-bas. Parfait, on arrive à temps quand même, excellent. Dans ce temps-là, l'Autriche spamme des unités. Toi tu peux revenir. Alors, les alliés, je pense qu'on peut les laisser ou pas. Ouais, ça devient compliqué. Bon, la Saxe, on est en guerre, donc c'est pas la peine. Le Brandebourg, on va pas tarder à entrer en guerre, donc c'est pas la peine non plus. Pour l'instant, elle ne prend pas d'ampleur, cette ligue. Ça me va bien. Ouf, 36-27, il va falloir qu'on fasse des ateliers, moi je vous le dis.
Florence, qui est alliée à la Hongrie, va falloir lui mettre des baffes. Parfait, on a les vassaux qui taffent. Toutes les troupes ennemies sont là-bas. L'Ottoman, il a des révoltes de janissaires. Tout se passe à merveille. Alors, puisque je vois qu'il y a des troupes qui sont chez moi en bas, on va y aller avec une petite troupe. Normalement, ça devrait être une grosse troupe même. Allez, vas-y. On y va à deux. Alors lui, il peut aller là. Lui, on va accélérer les choses par ici. Alors, Chesapeake. Ok, alors. On y va vite fait, mais je pense que ça va être trop tard le temps que les navires arrivent. Et avec un peu d'espoir, j'y crois pas trop. Ouh, juste à temps. Juste à temps, merveilleux. Ça nous évite quelques menus problèmes. Alors, eux, ils ont fui. Ok. Probablement aller par là, on va essayer d'aller les choper. Ça c'est tombé, tout est tombé, c'est merveilleux. J'ai pas de canon là-haut. Alors, on va lui en envoyer un peu. Et est-ce que j'ai une flotte? Alors toi. Ça dégage, protéger le commerce de la Manche. Et les 34 navires, on va les mettre là-bas. Ça va également accélérer un peu les choses. Fin du siège de Vienne, c'est très bien. Fin du siège de Dresde, c'est très bien. Donc toi, demandez la paix. Alors, imposer la religion déjà. Il veut pas. Soit. Il va bien vouloir à un moment ou un autre. Par exemple, quand on aura pété ses armées. Ils s'enfuient les bougres. Alors, petite pause. Fin du siège de Stettin en plus, merveilleux. On va bien évidemment aller stack wiper tout ce beau monde. Et on a une nouvelle nation coloniale, les Nouvelles Flandres. Ah, ça me va plutôt bien, ça, les Nouvelles Flandres. Alors, ça nous ferait quoi? Un marchand plus 1, de la puissance commerciale totale, je prends. Donc, les Nouvelles Flandres, on va leur verser des subsides, bien évidemment. Jusqu'à la fin de la partie. Hop là. L'ennemi a attaqué là-haut, c'est parfait. Bam, ça c'est stack wipé, on n'en parle plus. T'as plus de troupes? T'as plus de troupes. Si t'as plus de troupes, tu veux la paix. Voilà. Tout de suite beaucoup plus motivé. C'est surprenant, hein, je me demande bien pourquoi. Allez, une troupe là, une troupe là. J'hésite à faire genre petite prise de territoire ici. Pour le fun. Alors, tu vas oublier ton alliance avec Gênes. Landshut, on s'en fout. Mulhouse, Munich. Oh, Munich, on s'en fout pas, ça va être très bien. Et tu vas oublier aussi les états pontificaux. Voilà.
et de la réparation de guerre. Fond les ballons, c'est parfait. Est-ce que tu peux oublier des provinces? Tu peux pas. Tu peux rien faire de mieux ici. Et bah, on envoie la demande. Voilà. Ça nous fait un petit accès, on va aller choper Praha, tant qu'à faire. Et ici, il nous reste Stettin, qu'on va aller gentiment convertir également. Alors, imposer la religion, le pognon, les répas. Tu vas oublier Brunswick ou pas? Non, tu veux pas oublier Brunswick. Hop là, parfait. Très, très, très bien. Et vous, vous allez revenir par ici. Parce qu'il va y avoir une très, très grosse baston à venir là. Hop, toi, demandez la paix. Alors, on impose la religion, des repas, du transfert. Hop, le pognon. Tac, 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 tac. Et tu vas oublier l'Autriche. Parfait. Alors, nous avons plus que 20 hérétiques. Si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas beau. Parfait. J'aime quand les choses se mettent bien comme ça. Hop, toi, tu vas aller par ici. Vous, vous allez aller là et là. Ok. Donc, ils ont adopté la presse imprimée. Ouais, mais c'est des petits pays, c'est normal. Faut pas s'inquiéter, ça va venir chez nous aussi. D'ailleurs. Oh, j'avais pas changé les édits ici. Triste. Hop, voilà, est-ce que j'ai bien tout mis? Il faut que je fasse aussi l'Anjou et ça. Ok, c'est parti. On va développer le pays un max. Ça coûtera un petit peu de sous, mais c'est pas grave. Et on a aussi dans ces régions-là, dans les Flandres. C'est pas surprenant. Hop. Hop. Londres, je pense que ça va le faire tout seul comme un grand. Bon, parfait, on est correct. À noter que je ne peux pas utiliser les congrégations. C'est surprenant, j'étais sûr d'avoir fait la mission avec un 190. Bon. De toute façon, les congrégations, pour ce qu'on les utilise. Haha, hé, oh oh. Une troupette ici, une troupette là. Ça se met bien, ça se met bien. On va pouvoir aller récupérer Prague et donc le monument pour avoir plus d'autorité impériale. Et lui, on le boostera bien comme il faut. D'ailleurs, en parlant de booster des trucs, ça c'est quasiment fini. Hop, c'est fini. Ensuite, est-ce qu'on peut faire la mission tout de suite? La propagation de l'opéra va survenir. Modifie le développement du dôme de Milan de 1. Hop. Il est bien niveau 3. Merveilleux, ça nous aura rien coûté. Un artiste de culture française, gain 2 en innovation, modifie du coup de la stabilité. Bref. Ça nous fait une belle jambe. Ça nous fait une belle jambe. Très bien, donc maintenant, Munich. Déclarons la guerre, on appelle la S. Ça fait venir un paquet de gens. On peut appeler le Palatinat avec nous. Eh bien, les amis, c'est parti. On va faire une grosse, grosse guerre. En face, ils sont pas trop nombreux. Ça devrait aller. Hop. Toi, t'as deux de siège, t'as quatre canons. Donc, tu vas aller par là. Toi, tu vas aller en soutien jusqu'ici. Toi, tu vas aller choper ça. Toi, tu vas te mettre ici. Pas mal de petites troupettes un peu partout. On peut aller choper ça et ça, on va le faire tout de suite.
fait, la flotte qui est là-haut, elle est aux prises avec le Brandebourg. Pas pour longtemps. On va te mettre l'amiral qui est bien. Hop, direction là-bas. Ensuite, là, les troupes sont revenues. Berg est en train de se faire déjà défoncer la gueule par Dortmund. Je pense que on va y aller tranquillou-bilou. Ensuite, on va aller sur Mulhouse, on va le sortir en premier. Ça nous fait une belle guerre quand même, hein. Et on va aller bien tataner tout le monde. Paf, 5000 hommes en moins ici. Alors toi, tu vas repartir par là. Ou pas, peut-être qu'on va te mettre plutôt là-haut, comme ça on ira embêter le Brandebourg. Bam, Berg s'est défoncé. Il y a du ménage qui est fait un peu partout. Hop, toi tu vas aller là-bas. Alors, Ulm, faudra qu'on lui fasse un sort ici. Il est lié à Francfort, au Palatinat, à Salzbourg et à Ingolstadt. Merveilleux! Ingolstadt, t'es de quelle religion toi? Toi, t'es catholique. C'est dommage. Et t'es allié à Sillé et à Ulm. Ah bah voilà, c'est lui, à lui qu'on va faire un sort. Donc, constituer un réseau d'espionnage, c'est parti. Ensuite, qui nous aime pas trop dans ce pays? Plein de gens, malheureusement. Plein de gens nous détestent. Waouh, ils veulent tellement voter pour nous, les gens. Ils sont ouf. On file des accès militaires à tout ce beau monde. Constitue un réseau d'espionnage ici. J'étais en train de récupérer des faveurs, ça va dégager tout de suite. Ensuite, on va faire un réseau d'espionnage à Salzbourg. Fin du siège de Verdun, très bien. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, on va être positionné par ici. Verdun, demander la paix. Hop. Imposer la religion, le pognon, le transfert. Ah, il veut pas. Ouf, il va bientôt vouloir. Mort de l'artiste. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait de l'agitation, coup de la stab, prestige annuel, coup de la stab. Décidément, ils nous font un peu chier. J'aimerais bien prendre la réduction de l'inflation. Est-ce que tu es d'une bonne culture? Français, catholique? T'as 49 ans par contre. Ah, t'es chiant. Heureusement que j'ai du pognon. Hop, d'ailleurs, en parlant de pognon. On a plein de petits bâtiments intéressants à faire. Faisons-les. La Hesse demande notre aide contre les nobles. Et bah la Hesse, on est en guerre contre toi, donc tu vas aller te faire voir, hein, gentiment. On va pas perdre des points diplo pour ça, et comme on n'a pas de... Comment dirais-je, d'autorité impériale, on s'en fout un peu. Ici, on est en retard, mais... Capacité de siège plus 10%, on va pas dire non. Ah, parfait, je peux passer là, je peux passer là. Qu'est-ce que j'ai des troupes qui ne font rien? 17 000, tu vas aller là. Où est-ce que tu peux aller là? Tu peux pas malheureusement. Toc toc toc, il y a 8 000. T'es comment en siège toi? Zéro. File tes canons. Hop là. On va le garder sous le coude pour l'instant. 21% de siège, c'est déjà mieux ça.
bien évidemment, toutes les troupes ennemies sont chez moi au sud. Fin du siège de Berg. Le royal hérétique. L'impératrice va tenter de divorcer avec Vladislav. Elle remarie à Vladislav, 25 points d'influence. Eh bah 25 points d'influence, hein. Ouh, regardez-moi ça! Regardez-moi ça comme c'est beau! Il y a un petit Trastamara sur le trône de Bohème! Ça sent l'UP, ça sent l'UP! Donc on va pas trop le diminuer, on va juste prendre Prague. Ce sera déjà bien assez. Hop, demander la paix, file-moi ça et ça. Ouh, ça va picoter! Ouh, ça va nous faire une grosse, grosse, grosse koa! Mais c'est pas grave, ça vaut largement le coup. Fin du siège, voilà, très bien, très bien. On va aller ici maintenant. Alors, un nouveau marchand est disponible. Ah, bah c'était à Lübeck. Il était parti. Transfert. Ouais, j'avais dû le perdre. Hop là. Florence se prépare à attaquer Padoue. Ok, capacité de siège plus 15, merveilleux. Un commandant nous a quittés, ça c'est pas cool. Et c'était ça qui faisait du siège, évidemment. Hop, on reprend. C'était un qui avait beaucoup de sièges en plus, celui à 4 de siège. Ah. Berg a récupéré tous ses soldats, mais c'est une honte. C'est une honte. La sainteté du mariage. La réponse de Paulus. Malheureusement, il refuse d'accéder à notre demande. Le mariage entre Paris et son époux ne sera donc pas annulé. Oh! Saloperie! Tu m'aimes pas assez? C'est une honte. Fin du siège de Prague. Allez, on avance. Quinze mille hommes là-bas, easy rest. Là-bas, ça siège, mais ce qu'on en a à foutre. Constance, Constance, oui, on veut bien te filer la paix à toi. Répa, transfert, le pognon. Et hop là, alors la rivalité, tu veux pas? Ok, très bien, on se contentera de ça. Ne soyons pas trop gourmands. Fin du siège de Rostock. Ah, c'était là-haut. Ok. Vous allez aller là. Vous allez redescendre vite fait, bien fait, pour aller claquer les beignes des bohémiens en dessous. Fin du siège de Zeta. Ok, ça c'était chez moi. L'ennemi a attaqué. On l'a explosé. On va vite fait aller faire le ménage là-bas d'ailleurs, avant de revenir ici. Ils s'en tirent bien. Vous là. Vous deux, vous allez aller là-bas. Ne pas vraiment tenter une interception. On va se rapprocher par ici. Vous par là. Vous en bas. Vous en bas. Parfait, ça se divise. Ça se divise. Ok. Nickel. Toi, tu vas aller là-bas maintenant.
sont sur Intal. Ils ont intérêt à y rester. Hop. Bien. Donc une troupe ici. Et les autres, on va les faire remonter. Alors, une là. Une là. Toi, t'es tombé, tu vas remonter ici. On va demander la paix avec lui. Répa transfert le pognon. Alors, une contribution. Allez par là, ensuite vous tournerez par ici. Je vais les fusionner d'ailleurs. Pour 500 balles, les monuments coûtent 25% moins cher. Eh bien, j'ai envie de dire oui. On a également une réforme gouvernementale, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous propose de bien ? Développer l'administration. Alors, conseiller disponible plus 1, corruption annuelle plus 0,15, c'est mort. Coût des conseillers, corruption annuelle, équilibre des bourgeois, influence des bourgeois, pourquoi pas. Coût des commandants, point d'équilibre de la loyauté des nobles, ouais. Tolérance à la seule vraie foi, politique administrative gratuite, point d'équilibre de la loyauté des clercs. Non, ça me semble bien. Coût des conseillers, corruption annuelle, oui. Je prends ça. C'est très très bon. Alors, à Paris, Versailles est au dernier niveau, c'est très bien. Est-ce que j'ai une mission qui me permet de booster Versailles? Je ne sais plus. Le niveau 3 de Versailles offrira un modificateur supplémentaire, ok. J'ai pas l'impression. Du coup, ça vaut pas le coup de s'embêter et de s'endetter tout de suite. On aurait pu faire un appel aux bourgeois. Mais on va pas trop s'embêter. Allez. Hop, on est reparti ici. Boum! Cette armée bohémienne, elle n'existe plus. Là-bas, il y a 30 000 Milanais qui vont fermer Muse. Ingolstadt a conclu une alliance avec la Bohème. Alors là, aucun problème. Est-ce qu'on a d'autres pays qui seraient acceptés? Alors là, Goslar. Goslar? Oui, Goslar. En plus, t'es pas de la bonne religion. C'est parfait. Je t'impose la religion. Des repas de guerre, du transfert de puissance. Hop. Cardinal démasqué. Dommage. Là on tape, là c'est très bien. Toi tu vas là, toi tu vas là. Et là ça sent encore le stack wipe, des revendications perdues, des casus belli perdus, peu importe. C'est encore mon marchand là-haut qui a viré, oui. La Bohème, il lui reste que 5000 hommes. Autant vous dire que ça va être vite vu. Fin du siège ici, parfait. Toi, je vais te diviser en deux. Une troupe là, une troupe là-haut. Comme ça, on va aller finir la flotte du Brandebourg. Ça, c'est réglé aussi. Et maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans le sud. Toujours des troupes de la S. Autant aller les éliminer. Là, les troupes de Brunswick, ça va pas faire un pli. Ah, ils se défendent bien quand même. Ils
Allez, toi tu vas là, toi tu vas là. Alors, ici on a quoi? On a le Munster. Qu'est-ce que t'as fait le Munster? C'est une province quoi que t'as pris? C'est une province catholique. C'était pas une ville libre. Mais ça me fait un petit casus belli contre toi. Ouais, gratos. Parce que j'ai une revendication perpétuelle. Partage de connaissances, j'accepte. Yep, ça va me faire du bien. Du coup, là, on progresse de combien? 4,91, 4,64, 4,77. Excellent. Ça prendra du temps, mais c'est pas grave. Ici, petite revendication. Toi, tu reviens. Alors, demander la paix maintenant. Ratisbonne, Nuremberg, Salzbourg. Donc, améliorer les relations. Ici, améliorer les relations. Et Salzbourg, améliorer les relations. Hop. Faire un gros gros travail d'amélioration des relations. Toi, tu peux revenir. Ça, c'est Ingolstadt. Je crois que j'ai toujours mes revendications chez lui. Ouais. Jusqu'en 76. Tu peux revenir aussi. Hop, Mulhouse. Demander la paix, le pognon, les repas, le transfert. Pas de rivalité, nous n'avons aucun diplomate à envoyer. Mais si. Hop là, très bien. Donc toujours plus de pognon. Hop, on va améliorer ça, parce que je sens que... À la mort de notre impératrice, on va hériter de deux trucs là. Ça, vu toute la réputation diplomatique qu'on a, ça serait surprenant si ça n'était pas le cas. Ok, ça s'est tombé. Ah, je sais plus du tout où j'ai pris les canons. Va falloir que je recentralise toutes mes armées ensuite. Hop, on va aller prendre ça, comme ça on va finir le Bohémien rapidos. On a des diplomates qui sont de retour. Allez! C'est qui le prochain sur la liste? Memmingen et Rothenburg. On a encore deux autres de disponibles. Saxe et Wurtzbourg. Alors, toi. Et toi? Alors, ici, ça se passe comment? Se passe plutôt bien. Là-bas, c'est coulé. On va aller se mettre ici. Sûr, il s'est planqué sur l'île, ça nous arrange. La Bohème et la Hesse veulent la paix. Pas tout de suite, pas tout de suite, mes amis. Hop, transfert de puissance commerciale. Ouais, je vois 22 000 brandebourgeois là en bas là. Allez, viendez. On va plutôt aller vous chasser vous. Alors, demandez la paix. Maintenant, dans la quoi il y a qui? Ratisbonne, Memmingen, Rothenburg, Wurtzbourg. Donc ça veut dire qu'on peut retirer Nuremberg, Saxe et Salzbourg. Hop, tu reviens, hop, tu reviens. Enfin, tu reviens, on va en profiter pour faire des paix avec ceux qui la demandent.
qu'on a plein de gens à convertir, hein, malgré tout. Donc toi, demander la paix. Là, tu veux bien maintenant. C'est parfait. Quel, toi, demander la paix. Imposer la religion, des repas, du transfert. Le transfert, tu veux pas? Et ben, ce sera le pot. Même le pognon, tu veux pas? File 3 balles. Soixante-quatorze, allez. J'accepte. Et toutes les troupes qui sont par là, on va commencer à les faire revenir. On va centraliser tout, on va tout subdiviser à nouveau. Allez, parfait. Là, on va les défoncer. Eux, ils sont en pleine bataille. Eux, ils vont revenir également à Paris. Armée de l'Est, elle reste où elle est. 3000, ils restent où ils sont. Forteresse est assiégée là-bas. Ouais, peu importe. Je sais pas où ils vont eux, mais si je peux aller les exterminer, ça me plairait plutôt bien. Nouvelle province légitime. Ah, ils ont réussi à s'enfuir, les petits Mohicans. Alors, 788, le Parthénon, Grenade, Demnath, Ait Ben Abou. Ah oui, non, oui, si je sais ce que c'est, le mausolée d'Halicarnasse. Ah, ça c'est intéressant. Ça nous ferait quoi? Prestige annuel et splendeur. Oui, j'achète. Parce qu'on n'a pas beaucoup de. On n'en a pas beaucoup ici. Malheureusement. Et on n'est pas prêt d'en avoir plus. Parfait. Ensuite, demander la paix. Qui d'autre? L'Autriche, le Landshut, Silet, Francfort. Alors ce sera Silet et Francfort. Ah, moins 101, ça pique, ça va être très compliqué. Hop, et ensuite, bah tant qu'à faire, on va aller là. Alors, qui d'autre? Toi, pas encore. Y a qui reste-t-il? Bohème, Brandebourg et Hesse. Alors, Brandebourg, voilà, on vient de lui mettre une petite baffe. Demander la paix. Alors, bien évidemment, je peux pas le convertir. 208%. Est-ce qu'on peut lui faire relâcher un paquet de trucs? Rupin, Rugen, Volgast. Comme d'hab. Comme d'hab. Le pognon. Les repas de guerre, les repas de guerre, il veut pas. Il va bientôt vouloir. Hop là. Voilà, une bonne chose de faite. Ce sont les garanties, donc personne ne va venir leur faire la guerre. Volgast, on pourra bientôt faire une revendication sur eux et aller les défoncer. Ça me semble être une bonne strat, très bien. Il en reste de moins en moins, très bien. Alors, ici, Ratisbonne toujours. Ouais, les prochains, ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'ils vont prendre pas mal d'expansions agressives. Ah, il y aurait Constance, je pense que Constance, ça va être compliqué aussi. Ah, c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable, plus que s'il est. Hop. On va aller améliorer les... Là, si on... Rothenburg, on va t'influencer.
L'AS, tu veux la paix. L'AS, il y a peut-être moyen de demander la paix avec elle. Imposer la religion, transpère et pas. Hop. Très bien. Alors, ici. Rothenburg et Ratisbonne. On va t'influencer. Je crois que lui, je l'influence déjà. Ouais, je l'influence déjà. Memmingen, on est à fond. Plus 52, on va quand même t'influencer. J'ai des thunes, hein, je me fais pas chier. Ulm. Ulm, tu serais pas dans la quoi contre moi? Surprenant. Non, il ne le serait pas. Francfort, Francfort, Francfort. Ici. Pareil, on va l'influencer aussi. Ok. Constance. Allez. Plus 26. Est-ce qu'on l'a déjà influencé? J'ai pas l'impression. Plus 51, voilà. Ensuite, il nous resterait Mulhouse. Et Thuringe. Jouable. Mulhouse, ça va être plus compliqué. Et j'ai de nouveau un marchand qui n'arrête pas de faire le yo-yo. Vas-y, Rothenburg. Ouais, j'ai plus de trêve avec lui. J'ai déjà influencé, je peux lui filer un petit peu de thune. Hop là, parfait, plus 50. Plus 56. Plus 53. Normalement, ça devrait calmer pas mal de choses. On s'en tire quand même drôlement bien. La S, on est en trêve. Mulhouse, on sera en trêve. Il n'y a que Thuringe en fait, Thuringe. Allez, on améliore les relations. Progressivement, on va s'en sortir. C'était une... Au final, c'était pas une grosse guerre, c'était une guerre correcte. Hop, ça s'est influencé. Le mois prochain, on lui file 25 balles. Enfin, prends 25 d'appréciation. Nope, ça on arrête. Toi, tu reviens. Toi, t'es à plus 63, c'est parfait. Et on a dit Thuringe. Le Rupin a conclu une alliance avec la Boheme. Ça me surprend pas. Hop là. C'est réglé. Mort du maître de la monnaie. Ah. Modif de la stab. Il y a plein de mecs qui font de la modif de la stab. Mais ça n'a aucun intérêt. Puissance des missionnaires plus 1. Je suis pas sûr que ça soit très très utile. On va voir ce qu'on a le mois prochain d'intéressant. Turin, je disais-je. 77, bah, c'est parfait. Donc maintenant, demander la paix. Si je fais ça, bah, ça fait nettement moins de gens dans la coalition, hein. Il y a toujours Silet, mais bon, Silet, on s'en fout un peu. Bam, allez. Voilà une opération rondement menée. On va tout de suite commencer par convertir, donc du coup le petit gars là il va être utile.
Hop, hop. Ça se sera fait. Est-ce que j'ai des troupes qui sont en goguette? Elles sont là-bas, ok. Elles vont y rester pour l'instant. Et ici, bien évidemment, il faut que je réaménage mes armées. Hop, hop. Il faut qu'on se prépare pour la prochaine baston. Hop là, parfait. Ah, bah ça, c'était une belle opération, moi, je vous le dis. Alors bien évidemment, il faudra qu'on augmente le monument de Prague. Je pense qu'on en profitera dès que on aura fini de convertir. Parce que bénéficier d'un petit modif d'autorité impériale comme ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Hop. Et enfin, il ne reste plus que Munich qu'on va gentiment aller convertir. Imposer la religion, réparation, transfert, le pognon. Ah là! Et là, l'Empire, il commence à ressembler à quelque chose. Plus que 17 princes hérétiques. C'est fabuleux. Coalition possible. Coalition possible. Non. Expansion agressive 45, ouais. Toi, 29, oui. Bah pourquoi coalition possible? Ah, on peut intégrer une coalition contre la Pologne. Ça m'arrangerait plutôt bien. Je vais former une coalition. Hop. Allez. Si je peux diminuer la taille de la Pologne, ça me va bien. Parce qu'elle est beaucoup trop grosse. On pourrait libérer un paquet de trucs là-dedans, je suis sûr. On pourrait libérer la Galicie. On pourrait libérer Kiev. On pourrait libérer... alors là, il n'y a plus rien à libérer. Si, il y a Danzig. L'ordre teutonique, ça va être très compliqué, mais il y a Danzig. Et ici, dans le coin, on devrait avoir quand même pas mal de petits états. La Latgalie. Ouais, il a repris tous les états que j'avais libérés. ça ne me va pas trop. Ça ne me va pas trop. Ah, c'est bien. Les mecs que j'ai libérés, direct, ils rejoignent la Ligue protestante. Normal. Quoi de plus logique? Ils nous adorent, du coup, ils nous détestent. Alors ici, le Munster. Le Munster, non, il va rien rétrocéder du tout, le Munster. Ah, la carte de l'Empire est quand même nettement moins bleue, je préfère. Alors, bien évidemment, il nous reste des provinces à aller défoncer. Genre lui, là, il est allié à qui? Il est allié au Brunswick. Ah, c'est pas drôle. Toi, indépendance garantie par la Pologne, et t'es allié à Cologne et à Mayence. Ça m'arrange pas trop. Il y a ces deux-là, mais ça c'est de la ville libre. Ouais, ça aussi. Très fâcheux. Francfort, c'est aussi une ville libre. Ouais. Oh non, Rothenburg, il s'est reconverti. Le vilain. Le vilain vilain. Bien. Donc techniquement, quand on est en paix, on regagne de l'autorité impériale. Mais ça va pas faire long feu, je vous le dis. On a presque le maximum de réserves militaires. Est-ce qu'on dépasse la limite terrestre? C'est la grande question que tout le monde se pose. Oui, on la dépasse. La limite navale, en revanche, non. Donc on va faire une bonne tripotée de navires de commerce pour récupérer un peu de puissance commerciale. Dans le nœud de Gênes. Hop là. Belle flotte de commerce, ça, moi je vous le dis. Alors, j'ai encore des flottes là-haut qui bougent pas. Vous revenez. Alors, si toi je te déclare la guerre. Pologne, Cologne, Mayence. Oui, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse définitivement pas. Et toi, si tu te déclares à Caire, Pologne, Cologne, Mayence aussi. Je l'ai fait deux fois sur le même. Brunswick. Ok. Par contre, Saxe-Lunebourg est catholique. Ah, bah ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien. Parfait. Alors lui, comment est-ce que je peux l'atteindre? Francfort, Oldenbourg, Saxe et Thuringe.
Ouais, je peux pas. Je ne peux pas, il faudrait que je récupère une petite province à Verdun pour ensuite aller dégommer dans le secteur. Ou alors je bouffe la Saxe-Lauenbourg, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Tant pis. Allez. Trèves, oui, je suis d'accord pour prolonger l'influence sur Trèves. Alors ici, je pense que ce sera encore le pape le prochain. Qu'à cela ne tienne. C'est plus comme si on en avait vraiment besoin maintenant. On est un peu plus tranquille, mais bon, c'est toujours agréable d'être le contrôleur de la curie. Bien, il y a pas des affaires rondement menées. Je vais pouvoir m'arrêter là pour aujourd'hui. On va voir un petit peu quelles sont nos options diplomatiques. On va probablement retourner casser un peu dans le sud pour refaire de l'expansion agressive sur les musulmans et gagner un petit peu de temps. Et on va voir ce que ça va donner. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao, ciao!